Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler donc toujours de réseau à convolution et on va voir comment on analyse des images, hein, donc un peu plus complexes que des images en noir et blanc toutes simples, à savoir des images en couleur. Sur le principe, une image en couleur c'est un peu comme une image en noir et blanc x3. Je m'explique. Une image en noir et blanc, souvenez-vous, on a vu que en fait c'était une matrice dans laquelle il y avait des chiffres qui allaient de 0 à 255 qui nous donnaient les valeurs, est-ce que c'est clair ou sombre. Et bien, une mini-image en couleur, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une seule matrice, on en a trois qui reprennent chacune une couleur, donc le rouge, le vert et le bleu. Voilà. Donc, c'est tout à fait pareil, sauf que il y a plus de dimensions, pour faire simple. Alors, pour faire ça, on va utiliser un dataset qui est celui du CIFAR10, donc qui est un dataset d'environ 50 000 images réparties en 10 classes. Voilà. Il existe aussi le CIFAR100. Voilà, qui est exactement pareil, sauf que lui il a 100 classes. Bon, il n'a pas plus d'images aussi, mais donc pour faire ça, bon, comme d'habitude, on va importer nos librairies. Ici, donc j'importe le CIFAR10. Là, je vais charger mon dataset dans mes variables habituelles, hein, xtrain, ytrain, xtest, ytest. Cette fois-ci, j'ai pris le temps de traduire le nom des classes que j'ai stockées dans un tableau indexé. Et surtout, petite opération à ne pas oublier, parce que sinon c'est compliqué, c'est que dans le CIFAR10, les labels, enfin les noms des photos, les catégories, pardon, sont stockés dans des tableaux. Ce qui fait que normalement on devrait avoir un ytest 0, enfin on devrait mettre l'indice. Sachant qu'il n'y a rien d'autre, c'est un tableau qui contient que ça, on va en fait aplatir ce tableau. Souvenez-vous, c'est fait de transformer une matrice en vecteur. Donc en gros, on va transformer notre tableau en un seul champ. Et ce champ contiendra le nom du label. Ok? Alors c'est parti. On va commencer par visualiser un peu ce qu'on a. Donc la petite fonction qui va bien. On se retrouve donc avec effectivement des images en couleur qui sont catégorisées. Ici un cerf, un chat, une grenouille, encore une grenouille, encore une grenouille. Il y a beaucoup de grenouilles. Donc c'est des images de 32 pixels par 32 pixels, donc c'est des images un peu dégueulasses, mais qui vont nous permettre déjà d'avoir une bonne première idée. Alors, avantages et inconvénients de ce genre de dataset, c'est que comme les images sont petites, bah c'est parfait pour s'entraîner et comprendre le principe parce que les calculs derrière vont être rapides. C'est-à-dire que votre modèle ne va pas mettre des plombes à s'entraîner. Si vous prenez des images HD, vous essayez d'entraîner un modèle avec des images en HD. Disons que j'espère que vous avez un peu de temps devant vous, voire beaucoup de temps devant vous et une machine extrêmement puissante. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que pour faire ce genre de choses, en tout cas pour travailler avec des réseaux en convolution, il est impératif d'utiliser le mode GPU de TensorFlow. Alors, il y a toute une procédure pour que ça fonctionne. Il faut aussi avoir une bonne carte graphique, donc carte graphique uniquement Nvidia. À titre personnel, j'ai une 2070 RTX, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, il y a toute une procédure d'installation avec des drivers. Enfin, au pire, si jamais ça vous intéresse, mettez-le en commentaire et je vous ferai une petite vidéo sur comment on installe TensorFlow en mode GPU. Parce que si vous le faites en mode classique, donc en utilisant uniquement votre processeur, honnêtement, ça met des plombes. Mais c'est vraiment extrêmement long. Il y a une vraie, vraie différence. Et si jamais vous n'avez pas de matos approprié, parce que ça peut arriver, hein, ça coûte quand même relativement cher, je vous conseille de vous renseigner sur Google Colab, qui est une espèce de Jupyter Notebook à la sauce Google, mais qui permet gratuitement, alors, dans les temps limités, c'est-à-dire je crois qu'une session c'est 24 heures maxi, d'utiliser justement des GPU, un TensorFlow au moins de GPU. Même chose, si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo d'explication sur Google Colab. Bon, cette petite digression étant passée, enchaînons. Comme d'habitude, on va diviser les valeurs par 255. Je ne vais pas réexpliquer pourquoi, j'ai déjà fait dans les deux autres vidéos. Et ensuite, on va construire notre modèle. Par rapport au modèle simple que l'on avait créé pour notre premier essai, ici, on va voir deux nouvelles choses. Parce que comme je vous l'ai dit, on est sur des dimensions supplémentaires. Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus lourd à calculer au final pour une machine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer deux techniques.
La première, c'est ce qu'on appelle, on va pas juste faire un CNN, on va faire un DCNN, donc un double réseau à convolution. En gros, on va doubler toutes nos couches de convolution. Et on va considérer que chaque couche doublée est en fait en elle-même une convolution. C'est pour ça que le max pooling, que le pooling, on le fait juste à la fin des deux. Normalement, on aurait dû le faire après la première. Et là, en fait, on fait là. Parce qu'on considère ça vraiment comme une seule couche. Ok? Donc, on a doublé ici toutes nos couches de convolution. Alors, je vous mettrai un lien vers un article qui vous explique, mais en gros, on s'est rendu compte que ça a augmenté les performances des modèles, performance et stabilité. Parce que, il n'y a pas que la performance qui compte, la stabilité du modèle est aussi très importante. Donc voilà, c'est juste pour info, c'est ce qu'on appelle donc le D, enfin le doubly, comment ils appellent ça déjà, doubly convolutional net, neural network. Bref. Ici, on va juste appliquer la technique pour voir qu'il y a effectivement une différence. Et deuxième chose qu'on va appliquer, c'est ce qu'on appelle la batch normalization. Donc, c'est le fait de normaliser son batch. Donc, normalisation, normalement, vous savez déjà ce que c'est, on en a déjà parlé. C'est le fait de réduire, enfin, de passer une information, une valeur, quelle qu'elle soit, on va dire sur un range qui va de moins 1 à 1, avec le 0 vraiment en médian. Bref, même chose, je vous noterai, enfin je vous mettrai un lien vers un article qui vous explique exactement ce que c'est. L'avantage de la normalisation, c'est qu'elle augmente la rapidité, elle augmente l'accuracy et la stabilité aussi du modèle. Ce qui est assez amusant, c'est que on sait que ça fonctionne, mais il y a encore débat de savoir sur pourquoi ça fonctionne. Alors, faut pas trop s'étonner, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça. On se rend compte que les choses fonctionnent, mais on comprend après pourquoi elles fonctionnent. Donc un jour, je pense qu'on comprendra pourquoi ça fonctionne. Mais pour l'instant, on va juste se contenter de savoir que ça fonctionne. Ok, alors, comme je vous l'ai dit, notre modèle il est assez simple. On reste sur un modèle séquentiel classique. On a juste doublé nos couches. On a rajouté notre normalisation. La normalisation, par contre, pour le coup, elle se fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque couche de convolution, on va normaliser le batch en sortie pour le suivant. Donc, la normalisation à chaque fois, le max pooling à la fin de la couche doublée, on va l'appeler comme ça. Ok. Et après, tout ça, c'est du classique. À la fin, on fait un flatten pour aplatir nos données. On va passer ça dans un réseau dense qui contient 1024 neurones. Alors tout ça, c'est de l'aléatoire. Il faudra peut-être travailler là-dessus pour améliorer tout ça. On applique un dropout comme d'habitude et on a une couche de sortie avec 10 neurones qui correspond à nos 10 classes. On compile notre modèle. C'est exactement le même. Enfin, on compile exactement de la même manière que précédemment. Ce qui fait que notre modèle ressemble à ça. Ce qui est pas mal. Et on voit donc qu'on a en gros presque 2 400 000 paramètres à entraîner dans notre modèle. Ce qui est pas mal. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir entraîner notre modèle. Alors je vais passer la phase d'entraînement, je l'ai faite avant. Donc, on se rend compte que notre accuracy augmente très vite. Donc ça c'est sur le jeu d'entraînement, ça c'est sur le jeu de test, je vous rappelle. Donc sur le jeu d'entraînement ça augmente très vite, mais en même temps c'est normal, c'est le jeu d'entraînement. Limite ça surentraîne un peu là dans cette version-là. Mais sur le jeu de validation, ça passe quand même, quoi. On est sur un score qui est tout à fait honorable. Je vous rappelle, hein, les modèles que je vous présente là, c'est pas du tout optimisé, hein, c'est juste pour comprendre le principe. Donc après, à vous de, à partir de ce modèle-là, de jouer, peut-être, je sais pas, rajouter des couches de convolution, en enlever, modifier des données sur les couches denses, modifier le dropout, enfin, modifier le nombre de filtres, le kernel utilisé pour les filtres, hein, ce genre de choses. Tout ça, c'est du test. Là, c'est vraiment, c'est je vous pose le truc, c'est la base. Essayez de comprendre déjà comment ça fonctionne dans son ensemble et après vous jouez avec. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Donc on se retrouve avec un modèle qui est pas dégueu, qui n'est pas exceptionnel mais qui est pas dégueu. Pour un premier essai, c'est pas mal. Si on regarde sa courbe d'apprentissage. Alors, bon, on voit bien quand même que sur le jeu de test, c'est pas exceptionnel. C'est-à-dire
c'est pas hyper constant et il doit y avoir des paramètres à modifier pour optimiser un peu ça et augmenter l'accuracy, en tout cas sur le jeu de test. Ici, clairement, on est sur du surentraînement, ça se voit, il y a une vraie différence, mais on reste quand même sur une généralisation correcte avec un léger surentraînement, on va appeler ça comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'avantage des images, c'est qu'on est capable de les voir. C'est facile à comprendre. C'est qu'on va lancer une prédiction. Donc, on va demander à notre modèle de prédire l'ensemble des classes pour les images qui sont dans notre jeu de test. Et on va stocker toutes ces erreurs dans un tableau qu'on appelle erreur IDX. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on va utiliser NumPy. On va lui dire ben, quand. P-test, donc quand le label de ma prédiction est différent du vrai label qui était dans Y-test, et ben tu viens me le stocker. Tu me rajoutes ça dans mon tableau. Donc à chaque fois qu'il voit une différence entre ce qui a été prédit et ce qui est la réalité, il vient stocker l'erreur. Et l'avantage après, c'est on va pouvoir visualiser de façon, là c'est un truc aléatoire, on va afficher une erreur de façon aléatoire. Voilà. Là par exemple, il a. Donc en réel c'est un bateau, il a prédit un avion. Ouais, on peut effectivement penser qu'il y a une forme d'aile, enfin ce qu'on veut, à la place de la voile, pourquoi pas. Et puis bon, l'image est quand même assez floue. Hein. Ici, qu'est-ce qu'il nous a fait? Réel cheval prédit cerf. Ouais. Bon là c'est clairement un problème. Réel cheval prédit chat. À mon avis, c'est la posture. La posture ici, il a dû lui faire penser que c'était un chat. Ici, qu'est-ce qu'on a? Réel oiseau prédit chien. Ouais, c'est qu'on reconnaît quand même l'oiseau. Ouais. Enfin bref, ce genre de truc, ça nous permet vraiment de. On a vu un chat là, ici. Ok. Ça nous permet de voir à quel point notre modèle se plante, quoi. Alors ici, il a prédit quoi? Il a prévu une voiture et ça, c'est un avion. Ouais, franchement, je vois rien. Mais on m'aurait demandé ce que c'était. J'étais incapable de le dire. On avait prédit un chat. Ça doit être une question de taille parce que le chien est très petit. Enfin bref. Ici, ça va vous permettre de visualiser un peu les erreurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je le rappelle, on est sur des images d'une résolution très 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 basse. Donc, le principe d'un modèle, c'est quand même de comprendre la généralité de ce qui fait la différence entre un truc ou un autre. Quand la résolution est extrêmement basse comme celle-là, on a parfois une bouillie de pixels. Hein. Voilà, c'est pas très très clair. Donc les différences que est capable de percevoir le modèle sont par définition pas claires non plus. Elles sont de la même qualité que l'image qu'on lui fournit. Ça, il faut en avoir conscience. Donc en augmentant la qualité de l'image, on augmentera la précision du modèle. Alors, on augmentera aussi son temps d'entraînement, la puissance de calcul nécessaire, enfin tout ce qui en découle. Mais ici, on se rend compte que même avec des images quand même un peu dégueu, hein, parce qu'elles sont pas très très propres, on arrive sur des taux qui sont pas mal, quoi. On arrive quand même à faire des différences. Moi, il y a certaines images, j'en ai regardé, je serais incapable de dire ce que c'est. Une espèce de bouillie de pixels, j'en sais foutre rien. Enfin, je sais pas. Je suis incapable de distinguer. Et le modèle, lui, par contre, parfois distingue mieux que moi. Parfois moins bien, parfois mieux. Mais c'est juste une question de qualité de données. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment on fait. On verra deux choses en fait. On utilisera des images de meilleure qualité en construisant nous-mêmes un dataset. Parce que là, depuis le début, j'ai utilisé des datasets qui sont inclus dans Keras, donc qui sont fait pour l'entraînement et pour comprendre comment ça fonctionne. Dans la prochaine vidéo, on va construire un dataset, c'est-à-dire qu'on va aller choper des images sur Internet, on va les mettre dans un dossier, on va se construire un dataset, et ensuite on va dans le modèle appeler ce dataset. On verra que c'est un peu différent parce que il faut bien classer ces images, bien labelliser. La construction du dataset en lui-même, c'est quelque chose d'important. Et après, on verra comment on importe ces données-là dans TensorFlow pour qu'ils l'en comprennent. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on importe le CIFAR, on n'importe pas des images. On importe le dataset transformé et optimisé pour TensorFlow. Donc là, on va voir comment on fait exactement la même chose avec des vraies images qu'on aurait récupérées soi-même.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt, le plus vite possible, et portez-vous bien surtout. Au revoir.